space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Et aujourd'hui, on se retrouve... Bon, pour moi, c'était pour une vidéo très attendue. Pour vous, peut-être pas, enfin, je vous l'ai pas dit, mais... Donc, suite à la première vidéo de la collection officielle de vaisseaux Star Trek, j'en ai commandé deux autres. Je sais plus si je vous l'ai dit, je me rappelle plus du tout. Excusez-moi. Et donc, vous voyez, bon, Eagle Moss Collection. Et donc... Mais la particulière, c'est que cette fois, j'en ai commandé deux. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Et, eh ben, on va les ouvrir de suite. Mais, petit hic, il n'y en aura qu'un. Voilà. Je ne vais en faire qu'un seul. Donc, on va les ouvrir avec ce ciseau. Très pratique, en effet. Donc, voilà. Alors, ça peut être parce que je tiens le téléphone avec une main. Je vois... Comme ça, comment je vais... Comment qu'on fait, là? Attendez, je vais peut-être d'abord enlever ça. Ouais, ça me paraît peut-être plus logique. Ah! Ouh! Oh! Voilà, la belle boîte, hein. Alors, ça, on s'en fiche. Allez, au revoir. Ça, bon, c'est pas la peine. Faut couper le petit... en évitant de casser les vaisseaux à l'intérieur. Alors, petit indice, j'ai commandé une maquette de type normal et une maquette spéciale. Et aujourd'hui, on va faire... Ah, là, je touche quelque chose de dur, donc je vais éviter de trop appuyer. Et aujourd'hui, on va... Ah, c'est bon, ça marche. On va faire... la maquette normale. Alors, je sais pas comment je vais faire exactement pour le montage vidéo. Si je vais flouter l'autre maquette. Mais j'ai pas envie que vous la voyez, mais vous allez forcément la voir. Oh là là. Oh là là, ça a l'air beau. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Pourquoi? Ah, voilà. Voilà. Et en ce moment, j'ai pas mal d'autres petits projets très fort intéressants. Ah, vous le voyez pas? Vous le voyez pas, magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un coussin! Bon, c'est doit être peut-être un peu plus long. C'est pour éviter que ça se casse, d'accord. Et le voici. Bon, je suis heureux, vous le voyez pas. Attention. Ça, voilà. Ça s'en va pour l'instant. Par contre, j'ai tourné les deux vidéos là-dessus parce que je suis impatient de l'ouvrir. Et aujourd'hui, nous allons voir un vaisseau de classe Akira, l'USS Thunderchild. Je sais pas si mon accent il est correct. Ouais, alors pardon. Excusez-moi, j'ai posé le téléphone pendant 2 secondes. Je sais, je l'ai posé sur du sopalin. Ah, c'est compliqué. Oh merde! Merde! Ah, fichtre! Merde. Ah ça, je m'attendais pas. Merde. Bon. On a un petit souci. Houston, nous avons un problème. Comme vous voyez, le vaisseau a perdu une nacelle. C'est pas grave, je réparerai. Et vous voyez qu'il est magnifique. On verra ça plus tard. D'abord le manuel. Alors, je connais pas beaucoup de choses sur cette engine. Alors, on va l'avoir vite fait, hein. Classe Akira, lancée dans les années 2370, long 464,43 mètres, ouh, et vitesse maximale, distorsion 9,8. C'est plus que l'Enterprise, c'était dit donc. Voilà, magnifique, voilà donc le support. Le nacelle, j'en réparerai, mince, j'attendais pas à ça. Ben, c'est les problèmes, voilà, de la livraison, ça arrive. Donc, construction, Antares, voilà, 400.
64 et 83 mètres, cette fois c'est correct. Avec le G, on avait eu une petite incohérence. Équipage 500 approximativement. Weapon pod with multiple. Je sais pas du tout ce que c'est. Plus saucer. Qu'est-ce que c'est que ça? And Pfizer's. Je sais pas du tout ce que ça veut dire tout ça. En tout cas, c'est un vaisseau tactique. Et re tout le monde, excusez-moi. J'ai eu un petit souci de type espace de stockage et batterie et maquette. Parce que, enfin voilà, j'ai eu l'espace de stockage en moins, enfin voilà, j'ai eu un problème, du coup ça s'est arrêté enregistrement. Et en même temps, j'ai profité pour réparer la maquette, parce que, voilà, elle avait quelques petits soucis. Mais elle est totalement réparée grâce à la colle Revel. Voilà, c'est très pratique, ça sert à réparer des maquettes. Non, franchement, si SS était cassé, je vous dirai après. Enfin, je vais vous dire maintenant. Mais c'est... En fait, c'est à cause de la colle. Pas parce que c'est... Pas parce que c'est pas un produit de qualité, ce qui n'est pas vrai, c'est un produit de qualité. Si elle s'est détachée, en fait, c'est parce que c'est la colle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a dû être à cause de l'environnement ou quelque chose d'autre. C'est une colle qui était censée résister, mais elle a pas résisté pour le coup, je sais pas pourquoi. Peut-être au voyage, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est quelque chose de qualité, ça je peux vous l'assurer. Bon, quoi qu'il en soit. Donc, un vaisseau du 24e siècle. Ah oui, il a joué un rôle majeur dans le conflit contre les Borg et le Dominion. Oui, parce que il est apparu pour la première fois dans le film Star Trek 8 Premier Contact, lors de l'attaque du Borg. Je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu. On le voit également énormément dans Deep Space Nine. Et il prend beaucoup de dégâts celui-là. Ouais, vous voyez, il est magnifique. Voilà. Voilà. Image de Premier Contact. Voilà, il est top. Ensuite, torpille à photon. C'est la première fois qu'on le voit. Magnifique image. Donc, on voit le déflecteur secondaire. Le déflecteur principal, pardon. Alors, c'est un vaisseau tactique. C'est un escorteur tactique. Alors là, c'est. Là, je sais pas quand c'est. Plus de 600 vaisseaux. Ah, étaient des vaisseaux de classe Akira. Ah, d'accord, ok. Et ben là, voilà, Deep Space Nine contre Dominion. Là, c'est, je crois que c'est dans Voyager. Quand on voit le Voyager, là, c'est dans Premier Contact. On le voit qui se fait bien amocher. On va en même détruire. J'ai vu quelque chose d'intéressant. Je sais pas si vous voyez, le vaisseau de classe Akira a une ingénierie secondaire. Mais... Ah oui, dans la section... dans la section de soucoupe, avec un style de catamaran double, avec une double coque sur le haut. Oula. Là, je suis pas si bon que ça en traduction. Voilà. Ah bah c'est vite fait, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Waouh, magnifique. Donc voilà, le vaisseau de Tassakira, un beau vaisseau de l'ancienne génération, enfin de la nouvelle génération. Voilà. Alors... C'est vrai, il ressemble au NX-01. C'est vrai, ils se sont inspirés. Mais pas tout à fait. Hein. Enfin bon. Voilà. Il est très spécial. En fait, ça fait bizarre parce que avec les nacelles qui sont vraiment en dehors des nacelles, on a l'impression que la soucoupe est toute petite. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Mais je le trouve magnifique. Donc il a deux hangars et quatre moteurs d'impulsion. Là, là, là et là. Donc voilà, là c'est encore un premier contact. On en voit plein dans premier contact. Hein, donc voilà. Alors le design. Alors imaginez le vaisseau de classe Akira. Oh, qu'il est beau, punaise. Oh, donc il a été imaginé par qui? Ouais. Oui. Ah oui. Donc en fait, ils ont créé cette classe parce que. Avant c'était limité à seulement quelques classes et donc du coup pour les contacts ils ont voulu inventer une nouvelle classe. Donc voilà. Ouais. On va pas passer en détail. Ah, bonjour, qui êtes-vous? C'est Alex Jaeger. Ouais. D'accord.
C'est, je crois que c'est lui, enfin je suis pas sûr que ce soit lui qui. Ouais, je sais pas. Bon, enfin, bon, de toute façon, si vous voulez voir, vous avez que commander. Non, je plaisante, je plaisante. Oui, c'est ça, c'est Alex Jaeger, je sais pas comment ça prononce, qui a créé le vaisseau. Voilà, donc c'est lui. Là, on a des images du vaisseau en détail avec les plaques et tout ça. La passerelle. Waouh, punaise. Oh, il est magnifique. Si vous voulez, il existe aussi sur Minecraft. Il y en a un, il est super bien fait. Ou une, je sais pas. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a les grilles de distorsion vertes et déflecteurs rouges? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est un module. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est un module torpille photon. Mais je crois qu'il sert à autre chose, mais je sais pas trop à quoi. Je connais pas tout de la classe Akira. C'est assez marrant quand on le regarde de profil. Il y a un effet très spécial, je sais pas. Ah oui, en 3D. Voilà. Ouais, parce que il est l'un des premiers aussi à être fait en 3D. Alors on voit comment il est fait. Putain, c'est magnifique. Ça c'est. Hein? Dans cette scène, apparemment, le vaisseau Akira qu'on voit, c'est un effet spécial CGI, un effet 3D. Hein? Intéressant. Voilà, Deep Space Nine, encore. Voilà, premier contact. Ah, ça, c'est l'épisode Tears of the Prophets, les larmes des prophètes. Où là, il y a un vaisseau qui se fait bien amoché. Et le prochain, voilà, Jim Cruiser, je vais pas l'avoir. Hein. Ou peut-être, je sais pas. Non, non, j'aurai pas. Je l'aurai pas. Voilà, les détails. Puis ensuite, voilà. Et on va passer maintenant à la partie la plus intéressante, à savoir le vaisseau. Alors, je l'ai mis. Par contre, je suis désolé, on va pas faire l'unboxing du coup en direct. Je l'ai mis sur son support. Et là, vous voyez que la nacelle est détachée? Non. Voilà. Il est magnifique. Donc, on voit très, très bien détaillé. Là, les fenêtres sont parfaitement bien positionné. Alors pour information, c'est la nacelle droite qui flanchait. Donc là, il est sur support. Je vais l'enlever. Normalement, c'est sec. Donc le module, les nacelles, avec le bleu en transparent. Et quand tu as vu ça aussi en transparent, voilà, il est magnifique. La coque secondaire avec le déflecteur transparent aussi. Je crois que c'est le vaisseau que j'ai eu pour l'instant qui a le plus de. Ah, on voit pas l'impulsion. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'est le vaisseau que j'ai eu pour l'instant qui a le plus de pièces transparentes. S'ils essaient de faire ça pour que ça soit plus joli à la lumière, voilà, ça rend joli. Et donc voilà. Et donc, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, c'est la fin de la vidéo. Je sais, elle sera plus longue que l'autre, je crois. Mais il y a eu des imprévus. Disons qu'en fait, j'étais un petit peu pressé aussi parce que je rentrais des cours assez tard. Et voilà, j'étais content de l'avoir. Ça fait 20 jours que j'attends. Parce que l'autre fois, j'ai eu une topologie au bout de 10 jours. Là, j'ai eu 20 jours parce que les commandes, à mon avis, ont explosé. Puisque je voulais commander le Stream Runner, mais il n'était plus disponible. Donc, du coup, j'en ai commandé un autre que vous verrez. Bah, une autre fois. En ce qui concerne l'autre vidéo, je vais la tourner juste après. Parce que je suis pressé de le voir. Donc, eh bien, bah, je vous dis donc prenez soin de vous. Et salut tout le monde!